Bonsoir, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir à vous à la maison, fidèle au poste tout le temps. On est content d'être en votre compagnie ce soir. On est à Princeville et on va vous offrir une belle, belle soirée en vedette, Réal et Manon. Et surtout, on a un public absolument chaleureux. Écoutez ça hein, à la maison. On va vous apporter un peu de chaleur. Avec une équipe formidable et on réussit à faire des beaux projets. Puis la TVC est là présente. Aidez Charles ce soir qui est avec nous, qu'on applaudit. Et Claude Morin, enfin, c'est notre TVC à nous. Une belle, un beau fleuron de la région. Alors ce soir, bien, vous êtes là pour écouter, chanter. Et ces deux chanteurs-là sont fantastiques. 30 ans et plus de carrière se promènent partout. Mais je pense que vous allez être enchantés de les réentendre. Alors, sans plus tarder, accueillons Réal et Manon. Bonne soirée, amusez-vous. Merci. Merci, ça va bien? Oui. Parle-moi de ça, c'est le fun. Vous êtes prêts pour un petit party avec nous autres? Yeah. Maestro. L'amour passe parfois près de nous. On est si distrait qu'on ne le voit pas. C'est un peu je l'avoue, mais s'il n'était pas trop tard pour moi, j'ai dit non la première fois, j'ai dit oui toutes les autres fois, j'ai bien fait changer d'avis, tu t'es ça la j'ai bien fait de changer d'avis. Tu t'es l'amour de ma vie. J'ai dit non la première fois. J'ai dit oui toutes les autres fois. On peut bien changer d'avis. C'est ça la vie. Et on peut bien
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow, oui, on a un bon public ce soir, hein? Oui, vous savez, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on est ensemble, hein? On disait 30 ans, 27 ans, 30 ans. Puis la première fois, elle avait pas dit oui la première fois. C'est ça que je viens de dire, j'ai dit non. Ben, elle m'avait dit peut-être. Ah, ben OK. C'est les jours après qu'elle a dit non. Une vieille chanson, mes chers amis, qu'on a indiqué sur notre premier album. De M. Paul Brunel, avant de la connaître, avant de te connaître. Ouais, c'est ça. Je croyais avoir vu les plus jolies filles. C'était avant de me connaître. Jamais triste, j'y croyais qu'on m'avait aimé, choyé, c'était avant de te Denis Champoux. L'on dit qu'on récolte tout ce que l'on a semé. J'ai dit, dis-moi, ce n'est pas vrai. J'avais bien décidé que je vivrais seul. C'était avant de te connaître. J'y croyais que la terre tournait que pour moi et que je ne serais jamais triste. C'était avant de te connaître. C'était avant de te connaître. Merci. Merci beaucoup. Une autre chanson qui parle un petit peu de l'amour et de la fidélité entre un homme et une femme, hein? Et puis celle-là, ben, je la dédie aux femmes parce qu'on est toujours fidèles, nous autres. Hein? Ah oui, ben oui. Ils ont l'air tous d'accord avec moi. Il a manqué de m'étouffer avec mon eau. Vas-y, mon ami, ça s'appelle Toujours fidèle. Si un soir un homme vous offre une bière, faites attention. Souvent pour ne pas lui déplaire, on ne lui dit pas non. Suivre les bonnes manières, comme disait ma mère, même s'il n'est pas très mignon. Si vous le trouvez de moins en moins laid, c'est l'effet de la boisson. On sera toujours fidèle à l'homme que l'on. On a le regard trop large pour ne pas voir ailleurs. On ne se fera jamais belle pour un seul et même homme. On aura toujours le cœur séparé en plusieurs.
C'est une belle chanson qui avait été écrite par mon amie Lisiane Dablois. Elle est venue chanter ici cet été, je pense, Lisiane et Nicole du Haut Verso. C'est des amis à nous, de superbes chanteuses. C'est Lisiane qui avait écrit cette chanson-là il y a quelques années. Et puis, Réal, il y a une chanson aussi qu'on a faite sur notre deuxième album. Une belle chanson de M. Desgagnons. Et puis, vous savez que moi, j'aime ça reprendre des vieilles pièces hein, de nos pionniers québécois comme Marcel Martel, Paul Brunel. Ainsi de suite, un jour peut-être, notre nouvelle génération reprendra les pièces de Réal et Manon, qui sait. Hein? On y va avec la chanson la plus triste. Grouillez pas, là. J'étais assis seul à ma table. Je ne comptais plus les heures. J'étais perdu. À ce moment, quelques filles jouaient dans le jukebox. La chanson la plus triste, c'est par les amours. Soir dans ce Dieu.
chanson la plus triste est dans le jukebox. Oh, raconte qu'on a la vie, c'est par les amours. Elle traversait la rue pour rejoindre son amant. Une voiture l'a frappé. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'était Adé Gagnon. Oui. Les prochaines pièces qu'on va vous faire, c'est un petit hommage à M. Lévy Boulian. Le dernier album qu'on a fait il y a quelques années, c'était un hommage à Lévy Boulian. Il y a eu beaucoup de chansons de son répertoire qui ont été reprises, qui ont marqué aussi la génération des années 70-80. Et c'est un de nos pionniers, qu'on peut dire. En plus, moi, Lévy Boulian, j'ai grandi dans le même patelin que lui. Je suis natif de Coleraine, lui, de Saint-Braxet d'Israël. Et puis, on avait à se fréquenter... souvent, on a le cas à début de... T'étais petit, toi? J'étais petit, mais j'ai commencé à 12 ans dans les bars. Je suis pas un alcoolique pour ça aujourd'hui, mais à 12 ans, je traînais dans les bars un peu partout pour jouer de la guitare avec mon père et mon frère. Puis... Tu buvais une roue de bière. J'ai connu M. Lévy Boulian, ainsi que Marcel Martel et toutes les autres. On évoque une première pièce de M. Lévy Boulian, ça s'appelle « Les quatre saisons ». On l'a eu en mois de juin, ça. Les quatre saisons de ton cœur sont les mêmes pour moi car je t'aime. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne, le même. Je souris auprès de toi chaque saison. Je t'ai rencontré comme mon cœur. Je serai auprès de toi chaque saison. Les quatre saisons de ton cœur sont les mêmes pour moi car je t'aime. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne de même. Je serai auprès de toi chaque saison. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, Lévy Boulian, moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je pense que c'est un homme qui a eu bien des femmes dans sa vie. Il t'aurait aimé. Puis, il a eu bien des peines d'amour. Ou il en a causé, un des deux. Parce que toutes ces chansons, ça, c'est pas mal ça que ça parle. Ça parle à peu près toutes des peines d'amour. La prochaine pièce, c'est une un petit peu moins connue, mais qu'on aime beaucoup. Ça s'appelle « Demain, tu dois partir ».
tu dois partir. Si tu t'en vas, tu m'oublieras, mais tu vivras toujours en moi. Car toi, tu es tout pour moi. Je Merci beaucoup! Là, je pense que quand il a fait cette chanson-là, il commençait à réaliser que je dois penser à vivre seul. Il y avait eu tellement de peine d'amour puis de blonde de partie ici et là. Mais moi, je ne l'ai pas connu. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont connu, je ne sais pas. Là. Peut-être. La madame, elle ne le dira pas, hein? Non? Elle est trop gênée, hein? Une autre pièce de M. Olivier Bouliam, celle-là, ça a été son premier succès. C'est une version française, hein? Oui, il l'avait traduit. Ça a été son premier grand succès en 67. On n'est pas jeune, là. 67, c'est plus vieux que moi. Un petit peu. Le titre en français, ça s'appelle « Un peu plus loin ». Toi aussi, ta carte de membre, tu pourrais l'avoir, hein? Si tu me vois dans la rue, ne me dis pas bonjour. Fais comme si j'étais une étrangère. Si. Il ne faut pas que l'on sache que je t'aime. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs femmes, il y a plusieurs dames aussi, des demoiselles, puis j'espère pas trop de jeunes filles. Et puis, M. Olivier Bouliam, il a eu les cheveux gris, hein? Ça, c'est à cause des femmes. Toutes les femmes qui lui ont brisé le cœur, il y a un poil gris qui est sorti. Puis dans le temps, la teinture n'était pas en mode. Fait que... Moi, j'aurais la tête blanche, je m'atteindrais pas les cheveux, là, hein? C'est ainsi que mes cheveux sont un peu gris. Je
je suis fatigué de voyager au loin la nuit. Mais chanter, c'est pour moi toute ma vie. Au petit jour, je rentre chez moi. Je crois que c'est la dernière fois. C'est ainsi que mes cheveux sont un peu gris. J'avais 20 ans, je suis toujours le même. Mais mon amour m'a souvent ébranlé. J'oublierai bien quelques heures passées. C'est ainsi que mes cheveux sont un peu. Merci beaucoup. toi aussi, tu pourrais l'avoir, ta carte. Hein? Ça fait quelques années, même. Même pas gêné de dire oui. Je pense que tu as déjà eu la FADOC, c'est pas la même affaire, ça, hein? Ah oui, c'est ça? Ah, ben, il l'a eu, comme ça. Ben oui. Moi, tous les hot dogs à 25 oui. Piastres, je connais ça. Vous voyez, gars, je suis pas au courant de ça, moi. J'ai vu ça passer me manier une carte marquée FADOC au nom de Réal. Oh. Fait que c'est ça. Bon, ben, je vais le savoir. Si un jour je viens qu'en recevoir une, je vais le savoir. Ben, moi, je pensais que ça n'est qu'une petite garde malade de 20 ans, moi. Pas vraiment tout. Ça a l'air que non. Ça a l'air que non. Mes chers amis, on va lâcher un petit peu les vibouillanes. On va aller avec du Réal et Manon cette fois-ci. C'est une chanson qu'on a écrite il y a quand même plusieurs années et qu'on fait souvent dans nos spectacles en festival parce que les gens la redemandent toujours, les gens l'aiment. Eh bien, coudon, on va vous la faire ici ce soir. C'est une comparaison, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une comparaison qu'on a fait entre, à un moment donné, faut partir de la maison, hein? Les tanguis qu'on appelle, là, qui collent chez papa et maman, là, à un moment donné, ben il faut partir. Là. Pas juste les tanguis, les rouets, les Dupuis aussi. Là. Alors, on a fait une comparaison entre fiston ou féfille qui doit partir de la maison. Puis quand le petit gars est rendu à 55 ans et il vit encore chez ses parents, il y a un problème. Là. Hein? Oui, c'est ça. Quand il a sa carte de FADOC, là, il est... Hein? Il est temps qu'il aille faire un tour en appartement. McDonald's qui a C'est une comparaison qu'on a fait avec un enfant et un petit bateau. Ça s'appelle Les petits bateaux.
de quitter le port, car il est grand à présent. Lève les voiles et va-t'en au gré du vent. Sois bon matelot et prends bien soin de ton bateau. Je serai là auprès de toi comme autrefois. D'un peu plus loin, je te guiderai sur ton chemin. Ce sera ton tour. C'était une de nos compositions. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas Réal et Manon? Il y en a quelques-uns quand même, hein? Oui, il y en a quelques-uns. Plusieurs nous connaissent parce qu'on est venus souvent dans le coin. Et puis, il y en a qui ont sorti aussi du coin pour aller dans d'autres festivals. Et bien, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes mariés l'un contre l'autre. Hein? Ça fait 17 ans qu'on est mariés. Mais ça fait plus de 26 ans qu'on est ensemble. T'en souviens pas. Hein? 25, non, c'est parce qu'il faut que je calcule vite. Là. Je me souviens des années, mais il faut que je calcule vite. Hein. Et puis, c'est ça. Ça fait 17 ans qu'on est mariés puis qu'on fait des festivals aussi, qu'on fait des spectacles en festival. On s'est connus grâce à la musique, il y a 26 ans de ça. Eh oui, des petits bars de la Beauce. Eh oui, hein? c'est le cas de le dire, c'était les petits bars de la Beauce. Parce que moi, je viens de la Beauce. C'était une bosseronne. J'ai plus les jarrets noirs, je les ai lavés depuis ce temps-là. J'ai tout bien frotté ça le premier soir, moi. Ça lui depuis ce temps-là. La prochaine pièce, avez-vous connu Mme Monique Gadois? Elle s'est fait connaître un petit peu par ça, la prochaine pièce. Qu'on a mis sur notre troisième album, je pense. Oui, c'est ça. Prière personnelle. Moi, j'appelle la toune sérieuse du show. Seul dans ma chambre, de la vie j'étais découragé. Alors je lui fis ma prière à celui qu'on appelle le bon Dieu. À genoux je lui demande le pardon pour tous mes péchés. À genoux je lui demande le pardon pour tous les péchés. Je voudrais retourner vers mes frères et tous ceux que j'ai tant fait pleurer. J'en demande. Et ma mère, je veux l'embrasser. Dans la misère de la vie, vous êtes fatigués. Demandez à Dieu notre Père
pardon que tu nous péchés. Ça va venir. Si de loin que vous êtes sincère, tout comme moi, vous serez pardonné. Mon père, ma mère et mes frères, je lui demande à genoux. Toute ma vie, je la lui donne. Il ne m'en reste plus rien du tout. S'il vous plaît, écoutez ma prière, car ma peine est trop lourde à porter. Et si loin de toutes mes misères, je songe à tous les jours passés. À genoux, je lui demande le pardon pour tous mes péchés. À genoux, je lui demande le pardon pour tous mes péchés. Merci. Comme on dit, excusez-la. Des émotions, c'est ça que ça fait. Oui. Ça en prend des émotions dans la vie. Il faut rire, il faut pleurer. Eh oui. Puis moi, j'en rajoute, je la fais faucher. Bon. Donc, je fais un beau petit juste baguette. Pour faire changement, là. Une autre belle chanson que je vous dédie, mes chers amis. Et on pense parfois à ceux et celles qui ont perdu un être cher au cours de la dernière année, spécialement pour vous autres. C'est une belle chanson qui s'appelle « Bel oiseau blanc ». Moi, j'ai perdu mes poules la semaine passée. Je reste seul dans cette vie, car tu n'es plus. Appeler vers lui.
Merci. Merci beaucoup. Sur notre avant-dernier album, on n'avait pas écrit de pièce encore, il fallait que je la fasse travailler. Alors, dans le temps que je faisais le ménage puis le lavage, puis le repassage aussi, puis qu'elle venait juste de finir son chiolage, je lui ai donné une feuille et un papier, puis je lui ai dit, mon amour, écris-moi une chanson d'amour, s'il vous plaît. C'est ça qu'elle a fait, hein? Puis elle va vous la présenter. Le mec, elle a fini de boire son gin. Peux-tu vous dire que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, hein? J'espère que vous croyez pas tout ce qu'il dit, là. Non, ça n'a pas de bon. Ben oui, les messieurs, ben oui. Oh, ça se peut-tu. En tout cas, je vous souhaite pas de croire tout ce qu'il dit, par exemple. Hein? Parce qu'il y a des fois que ça n'a vraiment pas de bon sens. Non, comme là. Je compte pas de mensonges, j'agrémente la vérité. T'agrémentes beaucoup, OK? Non, c'est une chanson que... C'était la première chanson que j'ai écrite, d'ailleurs. J'ai dit, moi, toi, fine comme je suis, je vais écrire ça pour mon chéri, moi. Hein? Pourquoi pas? Et puis, depuis ce temps-là, ben ça peut même jouer dans les mariages, dans les anniversaires de mariage. C'est tellement beau, là! Ouh, c'est beau! Hey, je ne l'ai pas écrit pour rien. Je vais vous faire ça, mes chers amis. Je vais y dédier à lui pareil, là, parce que, bon, je l'écris pour lui, là. Ça s'appelle « Pour toujours ». Tu as su me combler. J'ai fait bien des détours. Merci. Pour mieux t'apprivoiser. Mon cœur ne bat que pour toi. Tu le sais bien, je crois. Je te l'avais bien. Toujours.
Manon, quelle belle voix. C'est merci. Vrai, hein? Manon, c'est un plaisir de t'entendre et Réal aussi. Le choix de vos pièces musicales ce soir, vraiment, vraiment très touchant et très beau. Hein, avez-vous aimé? Oui! Et vous avez des albums, hein? Vous avez des albums. Comment on fait pour vous rejoindre? Bien, les gens qui sont ici ce soir, on en a porté avec nous autres. On a 5 albums en tout. La première photo, Réal, il y a une moustache, puis plus ça vieillit, il n'y en a plus. Hein? J'en ai encore, là, juste descendu un peu plus bas. Alors, comment vous rejoindre? Pour nous rejoindre, il y a les gens qui ne sont pas ici dans la salle. Ben à oui. La télé. On a la télévision. Pour nous rejoindre, vous pouvez soit par Facebook à nos noms personnels, Manon Roy et Réal Dupuis, ou Réal Dupuis. Et puis, c'est le meilleur moyen. On peut vous donner un numéro de téléphone aussi? Oui, oui. Dans le 819, dans le 819-394-3462. Si vous voulez vous procurer un album, on les envoie par la poste, il n'y a pas de problème avec ça. Ah, c'est tout à fait charmant de vous avoir reçu ce soir. Merci de l'invitation. Vraiment. J'aimerais ça vous remercier à vous, à la maison qui nous écoutez. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Je voudrais remercier la ville de Princeville. Hein. On l'applaudit, M. le maire Gilles Fortier et toute son équipe. Bon. Marc Dargy à la sonorisation et Yves Gagnon. Marcel qui nous prend des belles photos. Et ce soir, Claude et Deschardes. Tout ce beau monde fait en sorte que vous passez des belles soirées. Puis si on le fait, c'est pour vous rendre heureux. Puis je pense que ce soir, on a réussi. Alors, comme dernière pièce à la télé, qu'est-ce que vous allez nous faire? Bien, on parlait de téléphone. On va faire une petite chanson comique. Hein? Vous aimez ça rire? Oui! Bon! Bien, alors vous, bye! À la semaine prochaine, Mario Paquette et Vicky Chagnon. Passez une belle semaine, on vous aime. Merci de ton invitation. Merci, Ghislaine. C'est un grand plaisir. Bye. Merci à tout le monde de s'être déplacé ici. Et puis, salut à tous ceux à la maison. On finit ça avec une belle chanson qui s'appelle « Le téléphone pleure ». La petite fatigante, hein? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas appelée. Hein? Elle doit être encore dans son bain. Elle a peut-être changé de numéro. Elle doit commencer à être propre quand on te fait 20 ans qu'elle se lave. Et on répond. Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur la dernière fois. Bon, je vais la chercher, mais je crois qu'elle est dans son bain. Mais je sais pas si elle va pouvoir venir. Oh, dis-lui. Je t'en prie, dis-lui que c'est important. Et puis j'attends. Si tu lui as fait quelque chose à ma maman, elle me fait des grands signes et dit tout bas, fais croire que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Ah oui, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'amène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. C'est mal, si mal depuis 20 ans. C'est ton âge à mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Et dis, tu la connaissais ma maman avant. Pourtant, elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Découvrez le téléphone. Ne pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime. Et les mots se marrent dans l'écouteur, oui, le téléphone pleure. Ne raccroche pas, je suis si près de toi avec ma vie.
moi. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Ah oui, j'adore me baigner. Maintenant, j'ai nagé. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu es à des doigts en Floride. Ça peut se nayer aussi, lui. J'ai fini. J'ai perdu mes paroles à cause de tes niaiseries. Je vous aime, mais je t'ai jamais vu, moi. Mais qu'est-ce que t'as? T'as changé de voix? Tu pleures? Pourquoi? Oh, c'est courageux, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se marrent. Dans l'écouteur, oui, le téléphone pleure. Ne raccroche pas, je suis si près.